Papatia! Oh, Papatia, Papatia! Oh, my dear! Turipatia! Oui, oui, Takahia! Kakina, Leila! Et ben voilà, ça fait le, c'était le troisième jour de mer, là il est 17h30, la course est partie depuis dimanche midi, on est mardi fin d'après-midi, alors l'essentiel de la course c'est que depuis le début il n'y a pas de vent, donc moi pour ma part j'ai fait que de l'aviron, je suis passé uniquement, j'ai pas encore fait la cette voile. Ce qui fait que c'est assez fatigant. Il faut tirer le bateau, on avance à des vitesses d'escargot. Et voilà. Alors, le bon côté, c'est que c'est très beau, il fait très chaud. J'ai déjà bu 5 litres d'eau aujourd'hui. Et on a le temps de regarder les paysages magnifiques de la Colombie-Britannique et de l'île de Vancouver. D'un bateau d'aviron que l'on commercialise, et on a décidé de transformer celui-ci en bateau à voile. Alors pour mettre une voile, il a fallu stabiliser le bateau, donc c'est-à-dire mettre des flotteurs de chaque côté. On a transformé un monocoque en trimaran, donc c'est l'architecte Lightboat Sam Manuart qui s'est occupé de, bien sûr, des plans, et le bateau il a été entièrement réalisé au chantier Lightboat par l'équipe Lightboat. Et à partir d'une coque d'un bateau qui est au catalogue, hein, qui est un bateau de compétition d'aviron de mer, on a réussi à faire un trimaran de course avec les caractéristiques des lightboats, c'est-à-dire un bateau super stable et à la fois très léger. Le bateau entièrement fini, en sortant du chantier, quand on l'a mis dans la caisse pour l'expédier aux États-Unis, il faisait 100 kg, ce qui est quand même une prouesse. Un bateau qui a été fait entièrement en carbone, infusé sous vide avec la résine soit époxy, soit vinylester. Cette course, la Race to Alaska, je devais acquérir absolument des connaissances dans le domaine de la voile, parce que jusqu'à maintenant j'avais effectué des traversées parfois assez longues, mais uniquement à l'aviron, et j'avais aucune connaissance dans le domaine de l'utilisation des voiles. Alors je suis allé en Bretagne et c'est Thomas, mon frère, qui lui a une bonne expérience de compétiteur à la voile, il a traversé plusieurs fois l'Atlantique en solitaire, et Germain, qui est aussi un compétiteur à la voile, qui m'ont formé. Je suis allé 2 semaines en stage et ils se sont relayés pour me donner des conseils sur le maniement des voiles et les différentes manœuvres.
La Race to Alaska, c'est une course qui consiste à rallier l'Alaska en partant du Canada depuis Victoria, qui est une ville qui est située au sud de l'île de Vancouver. Ça fait un parcours d'environ un peu moins de 700 milles nautiques, soit 1400 km. On choisit l'itinéraire que l'on souhaite. Il y a juste deux points de passage obligés. Donc on peut avoir un bateau de 6 mètres, on peut avoir un bateau de 60 mètres, on peut être seul, on peut avoir un équipage avec 12 marins à bord. Les deux seules règles imposées par l'organisateur, faut pas de moteur. Et deuxièmement, on n'a pas le droit à une assistance. C'est-à-dire on ne peut pas avoir planifié à l'avance une équipe technique qui viendrait assurer l'assistance, ou on n'a pas le droit d'avoir envoyé à l'avance du matériel. Comment je me sens? Super content de partir, super heureux, en même temps pas très rassuré. C'est quand même... En plus il y a du vent, ils annoncent de la pluie demain. Je me demande si... Je peux pas dire que j'ai pas peur, mais bon, je pense que c'est une bonne chose. J'ai un beau bateau, j'ai un bateau super bien préparé, je pense qu'il est fiable. Après, faut que je maîtrise les éléments, c'est quand même un bateau super léger. Voilà, je pense qu'on n'a rien oublié, on s'est défoncé tous chez Lightboat pour faire un super bateau, super agréable. Après, c'est un bateau qui ira uniquement dans des conditions clémentes, pas dans des très grosses tempêtes. Alors ce que je découvre ici, c'est que depuis qu'on est arrivé avec Anne et Nicolas, là c'est effectivement la météo, les prévisions météo ne sont pas du tout fiables. Elles sont bonnes à quelques heures près. Et puis la grosse incertitude aussi, c'est les courants. Il y a des très forts courants. Et tout seul, c'est un petit peu compliqué de faire en même temps la navigation, la rame, faire avancer le bateau et de regarder les cartes. Voilà. En fait, cette course, elle commence avec un prologue qui a lieu 3 jours avant le départ et qui consiste à relier Victoria, qui est située au sud de l'île de Vancouver, au Canada, en partant de Port Townsend. C'est une traversée de la Manche en tant que prologue, puisqu'on a une distance d'environ 70 km, quasiment en pleine mer, à parcourir. Yeah.
s'est bien passé parce que le but c'était d'arriver à Victoria. J'avais prévu 2 heures, je suis arrivé à 2h30. Finalement il n'y avait pas de vent du tout, je pense que j'ai ramé quasiment toute la journée. J'étais quand même bien stressé au départ, il y avait beaucoup de vent, etc. Et ensuite le vent a complètement disparu. Et je connaissais pas le plan d'eau, alors j'étais complètement perdu tout seul. Et puis il y avait des moments, il y avait des coups rencontres, des moments, des marmites. Voilà, mais bon, grosso modo, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, sauf juste à l'arrivée, là, j'étais un peu trop tard, il y a eu la bascule du courant, et pourtant j'avais du vent assez. Le vent est monté un peu. Et je réussissais pas à rentrer dans l'estuaire du Victoria. Ah ben, c'est 1 heure avant le départ. C'est sûr que c'est un stress énorme. Je suis content de partir, j'ai quand même la boule au ventre, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je pense comme beaucoup de concurrents. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'air, là c'est en train de mollir par rapport à ce matin, c'est du vent de nord-ouest. On va avoir du vent contre. Par contre, dès que je vais sortir du port, de l'estuaire, je vais avoir le courant contre. Alors ma stratégie là c'est de longer le plus possible la côte pour contourner le cap de Victoria. Alors le départ c'est un départ façon 24 heures du Mans je crois, on est tous sur la place là-haut et il y a un coup de canon à midi pile et on doit sortir du port de Victoria sans les voiles. Voilà la première journée de la course, ça s'est bien passé, on a eu une journée magnifique, il est 21h10, là le jour se termine, on a eu des conditions vraiment très difficiles, c'est-à-dire du vent contre, léger et des courants contre, donc c'était aux avirons toute la journée. Une bonne ampoule sous un doigt. Voilà, et puis ce soir je me suis arrêté sur un petit ponton et en fait le monsieur m'a gentiment invité là. J'ai accroché mon bateau, j'ai monté la tente et là je suis invité à prendre une douche et ça sera pas de refus. Eh ben voilà, il est 14h et c'est le
quatrième jour de course. C'est le quatrième jour de course. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un souffle d'air. Alors des fois il y a du vent, mais quand il y a eu du vent depuis le début, il a toujours été contre. Rien pour nous aider. Donc là, c'est pas encore le pire. Parce que le bateau, quand c'est pas quand c'est calme comme ça, ça rend rien. Mais j'ai progressé grosso modo de 50% de ce que j'avais prévu. C'est pas très grave. Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai fait des grosses journées d'aviron. Mais une fois qu'on a fait 50 km, parce que le bateau il fait quand même 250 kg. Hein, le bateau 120 kg, le rameur 80, enfin peut-être maintenant 75. Et puis il y a 50 kg de vêtements, d'encre, de matériel embarqué, de nourriture et d'eau. Voilà, enfin je suis content de mon début de course. Le bateau marche super bien. Le rameur. Aussi il aurait besoin d'un peu d'entretien. Là je vais arriver à 7, ouais, je vais arriver autour des 16h. Alors mon rythme de journée ça commence en général à je me lève, pour le moment je me suis levé tous les jours à 4h30. Pourquoi 4h30? Parce que il fait jour à partir de 5h et je préfère arrêter tôt le soir vers 6-7h du soir. La nuit tombe à 10h. Donc vous voyez, ça va bientôt faire, là ça fait déjà 8h15 que je rame, je ne suis quasiment pas arrêté. Et là j'en termine, il me reste 4 nautiques, autrement dit 2h. Pour moi, elle a présenté deux visages très différents. Les 10 premiers jours où on est protégé par l'île de Vancouver, donc il y a quand même pas mal d'habitations, pas mal de pontons. Bon, j'ai rapidement vu que le classement final, c'était pas très intéressant puisque finalement chacun a un bateau différent et c'est pas ce qui comptait pour moi. Par contre, j'avais la possibilité de rencontrer des Canadiens et c'est vrai que l'accueil a été fantastique. Chaque fois que je m'arrêtais le soir à un ponton, j'ai quasiment jamais dormi dans mon bateau. Les gens venaient me chercher, Mathieu, on suit la course, on t'a vu sur le tracker. Les gens suivaient la course sur le net, parce qu'il y avait la position des bateaux, et j'ai toujours eu une douche, j'étais invité, j'avais un repas. Rencontrer des gens quand on est comme ça dans l'effort toute la journée, dans l'isolement, c'est quelque chose de très particulier. J'ai eu vraiment des belles rencontres, avec des moments de partage assez forts, et c'est ce qui a marqué la première partie de ma course. En fait, c'était vraiment une aventure humaine. Alors voilà, bien souvent, quand il pleut pas, ce qui n'est pas un jour sur deux, c'est quand même le meilleur moment de la journée, c'est le bivouac. Donc je vous montre un peu l'endroit de rêve. L'idée, c'est de trouver évidemment un endroit super abrité, des vagues, un coup de vent potentiel à venir. Et je dois dire que là, on peut difficilement faire mieux. Donc j'ai commencé par descendre la voile et mettre un mouillage, c'est-à-dire une ancre avec un bout de plombé. Et là, il est super tôt, il est 7h du soir. Enfin, j'aurais fait que 13h de rame aujourd'hui. Et je vais installer mon petit campement pour la nuit en prenant mon temps. Encore une belle mais rude journée. Bon, je me rapproche du but, l'arrivée d'Alaska. Je vais prendre moitié d'eau de mer pour mes pattes. Moitié d'eau de mer, je pense qu'elle est propre ici. Peut-être une erreur. Là, il me reste un jour et demi d'eau. Après, je devrais aller dans
dans la forêt, dans les bois, pour me ravitailler. Il ne m'enchante pas. C'est toujours compliqué de laisser son bateau. Soupe chinoise, nouilles chinoises au filet de hareng. Ben c'est pas mauvais du tout, je peux vous dire. Après une journée de rame, c'est même super. Et voilà. Alors j'ai un bon matelas gonflable. Une bonne idée, je perds 10 minutes au moins tous les soirs à le gonfler. Un bon duvet en synthétique parce qu'il est quand même humide, pas du vrai duvet. Et là, j'ai tous mes vêtements dans des sacs étanches, transparents, comme ça je vois ce que je fais. Et voilà. Voilà, là il est super tôt. Mais bon, comme je me lève à 4h ou 4h30, c'est bien quand je peux me coucher tôt. Voilà, bonne nuit. Voilà le repas du soir, cuisiné à bord avec une petite dérive, parce qu'on a deux nœuds là, tranquille, j'ai déjà fait 38,8, donc 70 km. Et j'ai fait pour la première fois la cuisine à bord pour gagner du temps, je ne vais pas arriver très tôt. Et là derrière moi, c'est mou en haro. Alors, tous les soirs, je suis obligé de charger une petite batterie comme ça. Et je charge tous les instruments de navigation. Alors ça, c'est avec quoi je navigue toute la journée. L'endroit où je me trouve maintenant, c'est ici. Là, il y a le petit... J'ai repéré comme ça, et là on voit ma trace en jaune. La trace pour arriver ce soir. À partir du moment où on quitte l'île de Vancouver, alors là c'est vraiment un changement assez radical. J'ai quasiment plus vu personne, plus vu un bateau. C'est des centaines de kilomètres tout seul, en autonomie. Donc j'ai dormi 8 nuits d'affilée à bord de mon bateau en montant la tente.
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it... Alors, le bateau, bah ça c'est le poste de rame. Alors, j'ai mis un rétroviseur, comme ça je vois où je vais. Alors j'ai un petit GPS portable qui m'indique la vitesse, la distance depuis ce matin, donc c'est en 1000 nautiques. J'ai ramé 28,4, ça veut dire 50 km. Là la vitesse c'est 2,6, là c'est le cap. Alors j'ai préparé des pages avec toute ma route, hein. J'ai environ une centaine de cartes. Là j'ai une VHF, ça sert surtout à la sécurité. J'ai un téléphone satellite aussi pour la sécurité. Alors sur l'avant du bateau là-bas, c'est la balise de positionnement imposée par la course. On peut aussi déclencher, c'est un mode de déclenchement de détresse. Là, dans le sac orange, c'est l'ensemble du matériel de sécurité. Donc il y a juste un mousqueton à défaire. Au cas où, pour une raison ou une autre, j'ai une collision avec un autre bateau, ou mon bateau se casse, je dois partir à la côte le plus vite possible. Donc j'embarque ça, et dedans, c'est là que je range mon téléphone. Alors, la belle voile faite par North Sail de 5,30 m². Là, j'ai de ce côté tribord un grand sac dans lequel je range les affaires pour la journée. Et là-bas, un sac pour le spi. Alors, j'ai des compartiments, pas vraiment étanches, avec... toute l'alimentation, les vêtements, qui sont tous rangés dans des sacs étanches, parce que il y a de l'eau de partout. Voilà, c'est quand même une visite guidée assez vite faite, vu que mon appartement, 3 pièces cuisine, fait en tout et pour tout 2 m². Donc c'est là-dessus que le soir je descends la voile, j'affale la voile et j'installe une petite tente. Il est presque 10h du soir et j'installe mon bagage improvisé. Je vais monter ma tente, mais d'abord je fais de l'eau chaude. I think I stay there. Ah no no. I have a bottle of Drambuie. You have a bottle of wine? Okay. You have a bottle of wine? No, I forgot it, but I have Drambuie first. Ah. And I have British rice cider. I am home now, though I am far.
doing my best to be tough, to pretend I am strong and can siphon it off. But I'm not who I wanted to be. In my heart I belong in a house by the sea. They say home is a place where you're needed. Then I am home now, but I am leaving to feel my feet being kissed by the seaweed. And I'll be silent and kiss it back. This is not who I want you to see. Just adding on weight to the darkness in me. And from the little I have understood, I believe that a house by the sea would do good. I'm Team Lightboat, rowing boat, you can see, and I just arrived in Bella Bella. It's very important, this point, psychologically. It's also the last marina before the end of the race. So for us, time for charging batteries and rest and take food. And for me, take more water to reach the Ketchikan. You have to build your own little victory every hour, every day. You cannot think when you start, oh, I go two knots and I have 700 to do. It will take too much time. So you have just to think a very short term and to make it successful. Now it's to go to this this marina, and after you have to think one day for one day, and so there are many highlights, because each time you are successful in all these highlights, and so that's little victory, and you have more trust in yourself, because it's very easy to keep the race. I don't know if many boats decide to stop, but I am sure there is it's more easy to stop, to give up, than to be in Ketchikan. Alors voilà la fin du, j'espère. Je suis sur la fin du parcours, ça fait 3 jours que j'ai vu personne. C'est pas évident, ça fait pas mal de gamberges. J'ai juste Thomas, l'appel avec un téléphone satellite. Et comme je peux passer une semaine là sur la fin de la course, j'appelle personne d'autre pour donner des nouvelles. Le téléphone pour la sécurité. Donc là, il y avait toute la journée un vent du nord, de face, qui m'a bien fait progresser à la voile pour une fois, en tirant des bords. Le temps était complètement bouché ce matin et ça s'est découvert dans l'après-midi. C'est magnifique. Et là, vous voyez, c'est très dur de ramer parce que le vent a levé une houle, a mis à mal la mer. Du coup, le bateau il est bloqué dans chaque vague. Je vais à une vitesse d'escargot, hein, 1,5 nœuds, ouais, 2,5 à 3 km/h maximum. Je vous montre quand même. Encore un endroit de bivouac de rêve. Je verrais bien des ours, des grizzlies sortir là sur la.
surtout après quand ils auront senti le bon petit repas que je me prépare. Voilà, ben à deux jours de, j'espère, il me reste 79 ou 75 nautiques. Bon, ça fait quand même 150 km. Avec quelques parties un peu dans l'océan, dans le Pacifique, mais bon. Je viens de prévoir un itinéraire bis en rasant un peu plus les côtes, qui rajouterait 10 km, mais qui est peut-être plus safe. Je vais voir ça demain. J'aimerais bien être arrivé. Là, ça fait bientôt 2 semaines et demie. Ça fera presque, ouais, 2 semaines et demie. Après, j'aurai vraiment besoin de vacances. Alors, pour beaucoup de gens, me disent, bah oui, c'est ses vacances. C'est pas du tout des vacances. Ça tient un engagement. L'engagement physique, c'est le plus facile. On s'entraîne, on a mal partout, mais bon, c'est l'engagement nerveux, l'engagement mental. Déjà, faut tenir la distance. C'est pas évident, on est vite découragé par la longueur. Au début, ça paraît tout bien et c'est jamais aussi simple. Et puis surtout, les difficultés, les courants, la route, la mer dangereuse, comme aujourd'hui. Et c'est incroyable. Je viens de traverser le Grenville Channel, 100 km de long, comme un tunnel bordé de montagnes. De part et d'autre, un chenal très étroit, les gros bateaux ne passent pas. Et j'ai vu personne. J'ai vu 3 bateaux, 2 bateaux de pêche qui sont passés rapidement, des petits bateaux, et un croiseur côtier qui s'est pas arrêté. Et aujourd'hui, j'ai vu personne non plus. Il faut pas que ça vous arrive un truc dans ces régions. Hein. C'est vraiment. Une nature immense. Je crois que la Colombie-Britannique c'est 3 fois la superficie de la France avec seulement 5 millions d'habitants et tous concentrés dans les villes. Alors c'est sûr que ça laisse beaucoup de place pour les. Regardez, je vous montre le beau paysage. Que j'ai depuis la salle à manger, c'est vraiment super chouette. La fin de la course a vraiment été terrible, très très physique. Bon, faut savoir que la deuxième partie du parcours c'était en autonomie complète, hein, donc dans l'isolement, dans la solitude. Il n'y avait plus le confort d'un bon lit pour récupérer. Ça veut dire monter la tente tous les soirs. Il faisait beaucoup plus froid, j'ai eu beaucoup plus de pluie. J'ai terminé vraiment la course épuisée, en particulier les deux derniers jours où j'ai ramé 15 et 17 heures d'affilée avec un petit vent contre, pas suffisant pour m'aider. J'ai terminé quand même la course extrêmement affaibli, hein. J'ai perdu 7 kilos, pourtant je me suis bien énormément alimenté. L'aviron c'est un sport qui consomme pas mal d'énergie, hein. Tous les muscles sont en action. Thank you.
Le 13 juillet 2016, je suis arrivé à Ketchikan. J'ai enfin pu sonner la cloche que j'avais actionnée au départ. C'était une émotion terrible. D'abord, physiquement, fallait quand même le faire. J'ai beaucoup ramé. Je pense que j'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai eu le plaisir de découvrir la voile et ça, c'était fantastique. C'était une expérience, un apprentissage et j'ai vraiment pris du plaisir à combiner la voile et l'aviron. Merci à Thomas et Germain qui m'ont aidé dans ma préparation. Ce que j'en garde, c'est des beaux paysages, c'est surtout les rencontres et les moments de partage dans la première partie du parcours avec ces Canadiens ou ces Américains qui m'ont hébergé et invité. Et ça, c'était des moments très forts que je garderai en moi. Merci à Daniel Evans et à Jack Beatty, les organisateurs de la course de Port Townsend. Et merci d'organiser une course de dingue pareille. Merci à Sam Manuard d'avoir dessiné et conçu un bateau pareil. Et merci Sam pour ton engagement fort dans ce projet. Merci à tout l'équipe Lightboat qui a conçu un bateau magnifique et fiable. Merci à Nicolas de m'avoir déjà beaucoup aidé au départ à Port Townsend et à Victoria. Et merci d'avoir réussi à faire des belles images et à monter ce film. Et enfin, merci à mon épouse Anne pour me supporter, m'encourager dans des projets aussi terribles et aussi dingues.